Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur M6 pour une émission que vous n'êtes pas prêt d'oublier, croyez-moi. Dans moins de 2 heures, les grands classiques de l'illusion n'auront plus de secret pour vous. Et ce, grâce aux 4 magiciens qui sont autour de moi et qui sont de fabuleux illusionnistes. Je vous demande d'accueillir Caroline Marx. Gaëtan Blum. Stéphane Leschon. Et Otto Wesley. Tout de suite, le sommaire en images. Ce soir, pour la première fois, vous allez enfin savoir comment les magiciens s'y prennent pour désarticuler leurs partenaires. Vous découvrirez comment on peut changer de vêtements en moins de 3 secondes. Vous vivrez l'expérience incroyable d'un des tours les plus dangereux au monde, le repas de la mort. Nous lèverons aussi le voile sur le secret du plus vieux tour de l'histoire de la magie, le Bonneteau, dans sa version moderne. Ce soir, vous avez rendez-vous avec les grandes illusions de la famille Ross. Vous saurez comment on devine à l'avance le tirage d'une loterie. Et bientôt, vous percerez le mystère d'un tour qui a fait frémir les foules aux 4 coins de la planète, la femme coupée en 2. Je voudrais vous présenter nos invités ce soir. Et c'est donc pour moi un vrai plaisir de vous demander d'accueillir Armel. Dave. Et Patrick Bosso, merci d'être avec nous ce soir. Je vous propose tout de suite de commencer par le premier tour. On y va, vous êtes prêts? Regardez bien, soyez très attentifs tout au long de l'émission. Vous allez maintenant découvrir un classique, un incontournable de ce qu'on appelle la grande illusion. Un tour de magie qui a fait le tour du monde. Mais ce soir, vous allez pour la première fois découvrir l'envers du décor et voir comment nos magiciens réussissent leur illusion. On regarde la femme zigzag. Effectivement, ce soir, on est très content de pouvoir vous présenter un des plus grands classiques de la magie, la femme zigzag. Et pour avoir la femme zigzag, il faut la boîte zigzag et la femme. Ça va, Caro? Très bien, Stéphane. T'es prête? Je suis prête. Très prête, on va commencer comme ça, très prête, Stéphane. Ça va pas, Caro. Et peut-être même plus que tu ne le crois. Enfin, qu'est-ce qui te prend, enfin, Caro? Laisse-toi faire, Stéphane, t'inquiète pas. Attends, je peux pas rentrer là-dedans. Mais si, tu vas rentrer, regarde, tu vas voir. Ça fait du bien de voir un homme dans la boîte, quand même, hein? Applaudis. Et comment ça... Attends, là, c'est bien parti, ça. Ça bon. Fait des décennies et des décennies que ce tour existe et je vais enfin pouvoir changer les règles. Stéphane, tu es prêt? Non, je suis prêt. Ça va? Ouais, ça va. Alors, attention. J'y vais tout doucement, Stéphane. Ça va peut-être faire mal, hein? Oui, ça va être la cravate, le coup de dur. Alors, tu sens la lame qui s'approche de ton corps, là, Stéphane? N'en fais pas 3 caisses, non plus. Hein. Tu sens bien l'acier bien froid. L'acier bien froid qui passe. Hein, Stéphane? Ça va? Tout va bien? Eh bien, ça fait 50 ans que les partenaires de magiciens subissent ça, tu vois, Stéphane? Et vous... Et il fallait que ça tombe sur moi, c'est ah ça? Ah, bah oui, bien sûr, Stéphane. Merci, Caro. Alors là, tu vois, voilà, ouais. Parfait. Et nous, les magiciens, on arrive à mettre les lames, Caro. Et maintenant, on arrive au moment le plus intense, le moment où vous allez tous avoir très peur. Le moment de frisson, et je suis très heureuse de pouvoir le faire en plus, car je vais couper Stéphane en 3. Attention. Sympa, Julie, sympa. Ça va, Stéphane? Très, 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 très bien. Voilà, l'homme zigzag. Il est mignon, mon petit chouchou, hein? Je suis pas. Vous avez vu un homme dans la boîte, ça fait un... Ça lui va pas mal, en fait, hein? N'en fais pas 3 tonnes, quand même. Bon, allez, d'accord, je vais te remettre en place, t'inquiète pas. Allez, hop, je te remets en place. Voilà, ça va mieux comme ça? Beaucoup mieux. Voilà, parfait. Là, c'est mieux comme ça, hein? Allez, je retire les lames. Applaudissements pour mon partenaire, Stéphane. C'est pas la peine d'en faire 3 tonnes. Oh d'accord, excuse-moi.
Oui, finalement, tu peux en faire 3 tonnes. Bravo, bravo vraiment. Merci. C'est un grand classique, hein. Maintenant, on va vraiment savoir comment on fait ce truc qui est connu depuis des années. C'est-à-dire, est-ce là, que... vous allez nous dire, alors. Ah ouais, on va vous le dire, mais allez, vous allez quand même essayer de trouver. Est-ce que vous, vous avez une idée, Armelle, totalement ébahie. Armelle, est-ce que vous avez une idée? Oui, je comment pense que monsieur se roule comme du papier à cigarette jusqu'à son cou, et après, hop, il se redéroule comme du papier qu'on met sur le mur, par exemple. J'attendais tout à fait ce genre de réponse de vous, Armelle. C'était tout à fait ce que j'imaginais. C'est une solution, peut-être. Il est très grand, hein. Il fait 1m85, 90, pas loin. Moi, je pense que je crois que le monsieur était tellement énervé qu'il les avait là. D'accord. Et comme il les avait là, mais ça passait dessous, quoi. D'accord. Toujours la souplesse. Vous pariez sur la souplesse, Patrick. Ouais, ouais. Moi, je crois qu'il arrive à se regrouper dans la petite case d'en haut, à se serrer comme ça. Ouais. Et donc, du coup, il y a tout qui coulisse et après, et c'est des fausses jambes en bas. Il est juste, il tient dans le petit cube du haut. Vous avez vu la taille du cube là-haut? Mais il y arrive, moi je le connais, je sais qu'il peut le faire. À tout casser, hein, le cube fait 80 cm. Ouais, hein. Ouais, d'accord. Voilà. On va un petit peu vous aider. On va vous demander de choisir entre 4 propositions qui vont arriver sur cet écran. Vous allez choisir. Et la bonne proposition est dans l'une des 4. Regardez bien. Voici les 4 propositions de ce soir. Pour ce tour, en 1, le magicien est contorsionniste, un petit peu ce que vous imaginez. En 2, les lames sont flexibles. En 3, le magicien est allongé. En 4, c'est une autre solution qui n'est pas parmi ces 3-là. Tout le public ici a un petit boîtier dont vous pouvez choisir. Vous pouvez commencer. Attention, vous êtes prêts? Allez-y, votez. On va regarder un petit peu les proportions, la tendance du public ce soir. Ah, le magicien est allongé, assez majoritairement, avec magicien contorsionniste quand même. Bon, on va maintenant découvrir la solution. Regardez bien. Au moment où Caroline pousse le cube, incontestablement, il n'y a plus personne en bas. Vous imaginez bien que Stéphane n'est plus ni au milieu, ni en bas. Et regardez, la caméra va maintenant faire une révolution. Voilà. C'est tout simple. Une trappe est apparue. Il a juste fait un petit exercice. Et il s'est allongé de tout son long. Je vois qu'Armel est totalement stupéfaite. Il n'est pas vraiment allongé, parce qu'il a relevé les pieds, quand même. Exactement, ça l'aide un petit peu. C'est la Kama Sutra, quoi. Un peu. Vous allez voir qu'il y a pas mal de tours, un petit peu comme ça. Les magiciens viennent de vous révéler l'un de leurs plus grands secrets. Vous pensez avoir tout compris. Et pourtant, voici à nouveau le tour de la femme zigzag, mais dans une version un peu différente. Et vous allez voir que ce qui est extraordinaire avec la magie, c'est que même lorsque l'on croit tout savoir, on ne sait rien. Regardez. Thank you.
C'était la famille Ross, c'est une famille de spectacle. Ils sont étonnants, et vous avez vu, donc, hein, c'est le même principe. Voilà. Mais alors là... Elle n'est pas allongée, alors là, elle est allongée ou pas? On ne comprend plus rien. Franchement, c'est assez bluffant. On va les retrouver, hein. C'est une famille tout à fait étonnante. Vous le verrez. Bon, je vous propose maintenant de continuer. On va essayer de trouver un deuxième tour. Il y a trois grandes catégories dans la magie. Un, ce qu'on appelle la grande illusion. C'est ce que nous venons de voir avec les trucages, les accessoires. Le 2, c'est le close-up. C'est manipulation avec les cartes, les petits objets. Tout à l'heure, on va vous révéler quelques tours tout à fait étonnants. Et la troisième catégorie, c'est le mentalisme. C'est peut-être la plus troublante, car elle donne l'impression que le magicien possède des pouvoirs paranormaux. Alors Gaëtan et Stéphane, ont-ils des pouvoirs paranormaux ou est-ce qu'il y a un truc? Et s'il y a un truc, à vous de le trouver. Ce soir, Gaëtan va influencer votre esprit. Ce soir, Gaëtan va connaître vos pensées les plus intimes. Non, rassurez-vous, Gaëtan est très pudique, il ne dira pas tout. Ce soir, Gaëtan est notre médium. Gaëtan, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends, Stéphane, 5 sur 5, je vous reçois. Gaëtan va influencer l'esprit de Patrick, d'Armel et de Dave ce soir. Ça va pas être facile. Oh non. Patrick, êtes-vous prêt à recevoir un message mental de la part de Gaëtan? Tout à fait. Très bien. Sur cette belle ardoise spirit, il y a 4 couleurs. Le vert, le jaune, le rouge et le bleu. Merci. Gaëtan? Oui. Vous allez simplement... Alors, entre le vert, le jaune, le rouge et le bleu. Allez-y, cochez une des couleurs à votre avis. Je coche, mais je veux pas qu'il regarde. Voilà. J'ai coché. C'est fait. Envoyez donc votre message à Patrick. Oh, Patrick. Je sens qu'il me reçoit. En tout cas, il a l'air de recevoir quelque chose. Patrick, pour la première fois, à quelle couleur pensez-vous? Au rouge. Ah, le rouge. Très le bon rouge. Aïe, 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 aïe. Nous allons découvrir le choix de Gaëtan. Oh. Merci, Patrick. C'est du travail. C'est... Armel. C'est oui, mais bien sûr. Armel. Oh, Armel. Un nombre. Entre 0 et 100, ne dites rien. Ne dites rien, simplement, Gaëtan. Entre 0 et 100. Inscrivez un. Je vais inscrire. Allez. Armel, concentrez-vous bien, Armel. Vous êtes avec moi, oui, c'est. Ça devrait pas être loin. Armel, à quel nombre pensez-vous? 99. Oh, comme c'est drôle. C'est pas très drôle, mais j'ai dit, ça devrait pas être loin. C'était loin? C'est pas loin du tout. Pour la première fois. Oh, c'est absolument. Merci. Dave. Oh, Dave. Vous oui. avez peut-être un animal de compagnie? Un animal de domestique chez vous? Oui. Je ne peux pas connaître le nom. Oh, ben tout le monde le connaît, il est passé à la télé 3 fois au moins. Non, mais peut-être quand il était petit, Dave, il avait un autre animal qu'on ne connaissait pas, que personne ne peut connaître. Quand vous étiez oui, petit. Dans ma vie, j'en ai eu beaucoup. Oui. Dave, vous êtes prêt pour le voyage astral? À vous, Gaëtan. Je me concentre. Attention. À aucun moment, Gaëtan ne pourrait connaître votre choix. C'est fait. Le choix que vous allez donner dans quelques instants. Et pourtant, notre médium ce soir va faire l'impossible. Dave, pour la première fois, quel est le prénom, le surnom auquel vous pensez? Néron. Pardon? Néron. C'est terrible. Je voyais du feu dans vos yeux, Dave, comme d'habitude. Et je suis pas loin du tout de Néron, mais je me suis un petit peu trompé. Vous êtes prêt? J'ai écrit Néron. Ce soir, Gaëtan était votre médium. Il écrit juste après. Merci Stéphane. Il écrit juste après. Bon, on est à la limite du paranormal ou est-ce qu'il y a un truc? Il y a un truc. D'accord. Armel, est-ce que vous avez une idée?
y a un alien. Avec une petite main qui attend que qui, Patrick, qui, Dave, qui moi-même dit ce qu'il a à dire. Et avec la petite main, il l'écrit derrière l'ardoise, comme ça, quand on regarde, paf, juste après, et pof, il retourne. Un extraterrestre, d'accord. Mais elle est où, alors? Il y a une troisième main. Il a trois mains. Il a trois mains, ou on l'aide à avoir trois mains. D'accord. Dave. Oui, je suis d'accord, il a un membre qui ne nous montre pas. C'est vrai. Ouais. Avec lequel il sait écrire. Avec lequel il sait écrire. Très, très rare. Alors, un peu ouais. Comme ça, mais il écrit avec... Je ne relèverai pas, évidemment. Dave, je m'attendais absolument à ce genre de réponse, bien évidemment, de votre part. Je suis d'accord avec les camarades. Patrick. Oui, parce qu'à un moment donné, il y a un moment comme ça où il discute et il dit « Alors, oh, je me suis un peu trompé, tout ça. » Et j'ai l'impression que c'est à ce moment-là qu'il profite de notre innocence. Et d'ailleurs, j'ai une idée. Monsieur, pouvez-vous, avec la main droite, prendre une crotte de nez dans votre narine gauche? Absolument. La main droite. Avec la main droite, bien sûr, je le fais également. Alors, avant de découvrir l'explication du fauteuil, je voudrais, Armel, que l'on parle des Aristos. C'est votre nouveau film. Ce n'est pas mon film. Non, c'est le film de Charlotte de Turckheim. Et vous jouez dans ce film. Absolument. Et alors, c'est un film sur les Aristos, forcément avec Charlotte de Turckheim. Et vous jouez une aristocrate avec un accent. Oui, je joue la belle-fille de Charlotte de Turckheim et de Jacques Weber. Et cette belle-fille est autrichienne. Alors, ça fait comment une Armel autrichienne? C'est un accent un peu particulier. Je ne pense pas qu'il soit particulièrement autrichien. C'est un accent de fantaisie, mais c'est une comédie. D'accord, c'est une comédie. Je vous propose, elle est très bonne en autrichienne. Autrichienne aristocratique. Avant d'en parler un tout petit peu, on va regarder la bande-annonce, vous allez voir. C'est plutôt pas mal, on rigole pas mal, regardez. Oui, je sais, c'est injuste. Dieu, qui fut à nos côtés depuis les croisades, semble nous avoir abandonnés. Ah, ça part. Nous sommes dans la merde. Le quoi? Le travail. Laissez tomber, Charles-Antoine, il connaît même pas le mot. Un travail, c'est... C'est... Comment dire? Avec un travail, on paie ses dettes. Ah, comme ça, tous ensemble, avec vos camarades, vous allez... Travailler, Bert. C'est ça, travailler, vous allez travailler. Ben ouais. Ah, c'est sympa. Et vous faites ça tous les jours? Ben ouais. Armel, c'est vraiment un divertissement pour toute la famille. Et puis on va, avec le plaisir de retrouver Charlotte Turckheim, qui est vraiment un auteur et une comédienne formidable. Merci encore. Alors, on va regarder les possibilités. Première possibilité, le feutre télécommandé. Pourquoi pas? Ridicule. Ridicule, dit Armel. Deuxième, le partenaire dans le fauteuil. Voilà. Troisième possibilité, l'ardoise truquée. Impensable. La quatrième possibilité, une autre solution. Alors, mesdames et messieurs, dans le public, vous avez vos boîtiers, vous choisissez, allez-y. Je connais le chien qui se connaît, il est mort quand j'ai 8 ans, il ne peut pas le savoir. Mais il a quand même dit, je l'attends. Les statistiques, est-ce qu'il va y avoir la même unanimité dans le public que chez nos invités? Oula, 75%, une très grande majorité pour le partenaire dans le fauteuil. Bravo. On y va. Bravo. Bien. Armel, on va regarder, on se rapproche, hein. On se rapproche de Gaëtan, oh, sur son Armel. Fauteuil. Je ne vais pas vous offrir une crotte de nez. Gaëtan, j'ai racontez-moi. J'ai une petite menace. Oh, oui, elles sont mignonnes. Regardez, j'ai la preuve parce que là, vous avez une peau de type plutôt grasse. Bah, je vous remercie, ça fait plaisir, Armel. Alors que là, la peau est plutôt sèche. Non, c'est ça, c'est une différence de pigmentation. Non, ça, c'est pas du tout. C'est une malformation congénitale, Armel. Mais je alors, suis désolé à votre avis, que vous mettiez ça en avance. Mais alors, attendez, la personne, elle fait quelle taille? Elle fait quelle taille? Parce que c'est quand même une bonne main. Ah oui. Dave avait dit un membre qu'on ne pouvait pas nous montrer. D'accord. Ça veut dire que vous êtes assis sur la personne? Probablement. Probablement. Ça vous gêne pas? Ouais. J'ai une culotte. D'accord. Alors, je ne sais pas si Gaëtan va nous révéler un petit peu son secret. Est-ce que vous pouvez vous lever, Gaëtan? Tenez. Merci. Je vous confie l'ardoise. Et effectivement, ça fait surgir des choses bizarres, comme ceci. Donc, si je retire ça... Regardez. Oh. Voici mon fils. C'est mon fils. C'est le fils de Gaëtan. Voilà Julien.
C'est un tour qui est employé très souvent. Et ça fait des années et des années hein, que ce tour est pratiqué comme ça. Il y a éventuellement d'autres possibilités. Vous allez voir. Vous lavez les mains, jeune homme. Armel, venez. Allez vous laver les mains, jeune homme. Armel, merci encore. Merci Armel, bravo pour votre perspicacité. On va maintenant passer à la suite. Tout à l'heure, on vous a donc expliqué comment on fait pour donner l'illusion d'une forme de mentalisme, de pouvoir paranormal. Nos magiciens sont des professionnels qui adorent leur métier et ils n'envisagent absolument pas de changer de vocation. Et heureusement, heureusement par exemple, qu'ils ne sont pas policiers. Regardez. Gaëtan, le commissaire. Caro. Oui. On est sur un gros coup là. Un excès de vitesse. Ah, oui. Un excès de vitesse, intéressant. Un excès de vitesse, ça existe encore ? Dans le public. C'est vrai ? Aïe, 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 flagrant délit. Alors écoutez, moi je vais peut-être... Voilà, je vais demander l'aide de Patrick Bosseau. Oui. Patrick, allez-y, vous désignez la personne que vous voulez. Voilà, le monsieur, là. Le monsieur, voilà, très bien. Monsieur, vous allez vous lever, vous allez venir nous rejoindre. Et Patrick, vous allez venir aussi. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Installez-vous ici. C'est vous ? C'est moi. Belle tête de délinquant. Tout est là. Tout est là. On le sait, c'est vous qui avez fait l'excès de vitesse. Vous c'est conduisez ? Possible. Je conduis, oui. Votre nom de famille ? Kmarin. Eh ben, vous avez pas plus simple ? Kmarin ? Comme un Kmarin traditionnel. Traditionnel. Inspecteur Gaëtan. Kmarin. Ah, d'accord. Comme ça ? C'est avec un K, et non pas avec un C. Avec un K. Bon, eh ben, voilà. On est bien arrivé. Je voilà. Suis un K. C'est un K type. Voilà. Nom Kmarin. Monsieur Kmarin. Oui. Vous rouliez à bord d'une voiture, immatriculée. Bien sûr. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Vous pouvez nous donner les quatre premiers chiffres de votre immatriculation ? Juste les quatre premiers, parce que le reste, on le connaît. J'en ai que trois. Eh bien, merci, au revoir. On va choisir un autre. C'est un gros morceau, celui-là. Hein. C'est un très gros morceau. Il essaye de nous avoir, commissaire. Ma voiture possède que trois numéros. Mettez-en que trois, si vous voulez. Dites-moi. Le 445. 445. Voilà. Patrick, vous croyez qu'il va tout avouer ? Qu'est-ce que vous allez lui demander ? Qu'est-ce que vous pensez de le faire passer entre les mains de la jeune stagiaire qui a des méthodes un peu plus fatales pour le faire avouer ? Écoutez, je vais essayer d'abord moi. Et si c'est pas trop fatal, après on verra. Alors allez-y. Je vous laisse entre les mains expertes de Caroline. Alors, monsieur Kmarin, vous avez donc commis un excès de vitesse. À quel endroit était cet excès de vitesse, monsieur Kmarin ? Répondez tout de suite, monsieur Kmarin. Hein. Allez-y. Dans le Vaucluse. Dans le Vaucluse, je mets Vaucluse. Vaucluse. Vaucluse, voilà, très bien. Ça, très ça bien, va être précis, bien. Ça. Monsieur Kmarin, je suppose que vous rouliez très, très vite pour avoir cet excès de vitesse. C'était... Je crois que la vitesse était à 90 et j'ai été pris à 115. 115 ! 115, monsieur c'est Kmarin. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. 115 km. Et bah c'est du bon, vous roulez avec des gens comme ça. Mais non, il était bourré, je voulais pas le laisser seul. Je vais l'accompagner jusqu'au bout. C'est un bon ami à vous, ouais, Patrick ? Ouais, ouais. Il conduisait, moi je passais les vitesses. C'est bien le couple dont on nous a signalé ça. Ah oui, complètement, complètement. Bien sûr, bien sûr. Ce marin, on s'en rappelle. Kmarin, ouais. Kmarin. Voilà. Bon, voilà. Commissaire, je vous le laisse. Il est mûr, il est à point. Tout est là. Tout a été inscrit depuis le départ, dans cette enveloppe, monsieur Kmarin. Caroline, est-ce que vous pouvez nous passer la paire de ciseaux, bien s'il sûr. Vous plaît ? Allez-y, découpez, ouvrez. Depuis le départ, à l'intérieur de cette enveloppe, il y a une enveloppe qui vous est destinée, monsieur Kmarin. Non. Ouvrez cette enveloppe, monsieur Kmarin. Mais c'est le vrai procès verbal. Ben, nous sommes quand même une bonne maison. Vous avez un véritable... venez là, monsieur Kmarin. Venez là. Gardez-le bien en main. C'est votre procès verbal que nous avons ici, juste pour vous. Patrick, vous l'avez trouvé comment, ce jeune homme ? Tout doucement, je déplie du bout des doigts. Stanislas Kmarin. Et c'est vrai, en plus. Et lui ? Ah. Alors là, c'est vrai. Alors là, formidable. Alors, c'est vrai.
Là, c'est, Monsieur Clarin. Cet été, Patrick, cet été. Ouais, est-ce que vous voulez bien récapituler, inspecteur Gaëtan? Monsieur Kmarin, matricule 445. Immatriculation 445. 445. Où ça? Dans le Vaucluse. Dans le Vaucluse. Un rue de Vaucluse qui est gare. Et à quelle vitesse? Alors j'ai été pris à 115 ici. Pour 90, donc un excès de 25. Vous êtes fait, Kmarin. C'est un ancien souvenir. Ciao. Merci. Mes compliments. Franchement, très fort. Très fort. Bravo, bravo, messieurs. Ah, ils sont bluffés, hein. Ah, ils sont bluffés. Allez, bravo à tous. Vous pouvez le garder, hein. Vous pouvez le garder. Allez-y, reprenez vos places. Tous. Le bloc. Allez, vous pouvez le garder en souvenir. Hein. Bravo encore. C'est bien la première fois qu'on est content de recevoir un PV, parce que normalement, ça fait pas forcément plaisir. Tout à l'heure, vous saurez comment notre magicien peut se déshabiller en moins de 3 secondes. Vous connaîtrez enfin le secret qui se cache derrière la version moderne de l'un des plus vieux tours du monde, le fameux Bento. Et vous essayerez de deviner comment Otto Wesley, une tronçonneuse à la main, arrive à scier sa partenaire en deux. J'ai des questions un petit peu indiscrètes à vous poser là. Armel, combien vous mettez de temps pour vous déshabiller le soir, mais complètement? Vous savez pas avec qui je suis. En moyenne. Avec vous, par exemple. Par exemple. Je mets... Je sais pas, je mets 2 minutes. 2 minutes. Mais on va prendre exemple sur Stéphane Leschen, car le tour que vous allez découvrir maintenant et pour lequel vous allez essayer de découvrir le secret est réellement bluffant. Regardez. Extrêmement rapide, vous l'avez remarqué. Alors, je précise, pour vous aider à réfléchir, que c'était des vrais habits. Un vrai pantalon, une vraie chemise, des chaussures, etc. Il n'y avait pas de velcro, de choses voilà, qui permettent en une seconde de tout retirer. C'est des vrais vêtements. Alors, à votre avis, comment Stéphane arrive à cette prestation? Il a un frère jumeau. Un frère jumeau? Évidemment. Ah, ça se défend. Où il a peint son costume de la couleur de son corps. Ça commence à devenir surréaliste, mais ça, pourquoi pas.
Ben, j'étais pas spécialement frappé par la rapidité, moi j'aurais fait pareil. J'aurais fait pareil. T'as deux belles filles comme on ça. Essaye. On essaye. Dave. Ben, tout à l'heure. Dave. Je crois moins de 3 secondes. C'est non, mais, moins de 3 secondes. Il faut quand même que j'explique au public qu'à un âge où ce genre de choses devient indécent. Vous vous faites du mal. Bon. Première solution. On peut pas le refaire avec les filles qui se déshabillent. Alors, on regarde, Patrick. Première solution, il se déshabille très vite. Deuxième solution, il est aidé par les danseuses. Non, il n'est pas assez beau pour ça. Je sens que... Troisième solution, les vêtements sont en papier. Mâché. Quatrième solution. Autre solution. C'est une autre solution. Elle n'est pas parmi celles que je viens de vous donner. Allez, vous êtes prêts pour voter, mesdames, messieurs? Allez-y. Des danseuses. C'est les danseuses qui donnent du grand. Bien, j'ai entendu Patrick dire ah, c'est les danseuses, ça doit être les danseuses. Oui, c'est les danseuses. On regarde les solutions, on regarde déjà les tendances du public. Il y a pas mal de monde. Je crois que c'est très. Oh là, c'est très partagé, c'est pas si évident. Je vous donne la réponse. La réponse, c'est la rapidité. Et maintenant, comment on peut arriver aussi vite à se déshabiller? Parce que c'est presque plus intéressant encore que la réponse. Regardez. Pour bien comprendre, on est là dans la loge de Stéphane Leschène un petit peu avant le tour. Alors c'est très simple, mais il faut effectivement aller vite. Il y a sous le t-shirt de Stéphane Leschène un élastique qui est cousu au t-shirt. Il le coince dans son doigt de pied. Là, ses mains sont libres. Il peut baisser son pantalon et hop, il retire sa chemise. Ça va très vite. Ça dure moins de 3 secondes. Et là, il s'avance. En fait, il faut aller très très vite. Passer d'un seul geste à retirer le dessus et le deuxième geste, retirer le dessous et bien, sauter. 3 secondes. Voilà. Bien. Nous allons maintenant retrouver nos 4 magiciens ensemble. Mais vous allez voir que Stéphane Leschène a toujours quelques petits soucis avec sa garde-robe, mais vous allez pouvoir l'aider. Regardez. Merci, merci, merci. Stéphane! Oui, mon Gaëtan. Ça a été extraordinaire et d'une rapidité exemplaire, hein, faut le dire. J'ai jamais eu de plainte, hein. Non, mais par contre, je te trouve un peu sobre. Alors, Otto, Caro et moi, on a été faire un peu de shopping pour te relooker. Ah, mais c'est sympa, qu'est-ce que tu m'as acheté, Otto? Bah, regarde, Otto, il a... trouvailles. Oui, il a qu'est-ce tout. Qu'est-ce que c'est? C'est le débarras de vêtements à Barbès. Ah, c'est des belles vestes. Bien. C'est très, très bien. Bravo, Otto. Et toi, Gaëtan? Moi, j'ai des pantalons qui sont quand même plus gais que ce que tu as là. Regarde, il y a du beau blanc, il y a du beau. Il y a des rayures, il y a de tout là-dedans. Voilà. Et toi, Caro? Ouais, Stéphane, je t'ai ramené des vestes en fait. Alors, tu vois, t'as des. Ah, c'est. Alors, donc, c'est Otto qui a fait des chemises. Chic. Des vestes rouges. Ah, oui. C'est très chicose. Merci, Caro. Alors, ne bouge pas, on s'occupe de toi. On va aller dans le public, hein, et on va vous faire choisir des articles, vous voyez, comme ceci. Pour Stéphane. Alors, je vais commencer. Vas-y, mon gars. Madame. Au revoir. Mademoiselle, levez-vous, on l'applaudit, elle est extraordinaire. Je mélange. Voilà, je mélange tout. Maintenant, s'il vous plaît, vous allez fermer les yeux. Fermez les yeux, tendez une main. Voilà, et hop, au hasard, vous plongez, vous sortez ce que vous voulez. Hop, allez-y. Elle a pris... Oh! Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Caro! Oui, Gaëtan! À toi, Caro! Alors, bonsoir. Levez-vous. Allez-y, voilà, très bien. Servez-vous. Allez-y. Oh! Très bien. Bonsoir. Merci beaucoup. Bien accordé. C'est somptueux. On va pas les laisser sans chemise. Et vous plongez la main dedans et vous choisissez une chemise. Qu'est-ce qu'il a choisi? Bleu comme les yeux. Du bleu. Ah. Ah. Merveilleux. Bon. Au revoir. Regarde, Stéphane. Alors là, Gaëtan, tu pouvais pas mieux faire. Il va être beau comme ça, hein? Magnifique. Ah oui. Écoute, si tu veux bien passer dans le salon d'essayage... Ben, je veux bien me déshabiller très vite, je veux bien me réhabiller très vite, mais alors, je vais mettre tout ça en même mais temps. Mais si, ça va lui aller très bien, n'est-ce pas? Vas-y, mon Stéphane. Alors, pour ça, il faudrait un peu de musique. Gaëtan, tu peux mettre tout ça dedans, s'il te plaît? Oui, je mets tout ça dedans. Voilà. Hop. Et un peu de musique, s'il vous plaît. On y va.
Bravo Stéphane Raymond. On est très largement en dessous de 2 secondes, même moins d'une seconde. Bravo. Dans cette émission, nous vous révélons certains tours qui comptent parmi les plus célèbres du monde. Comme celui, par exemple, que vous allez découvrir maintenant. Mais le secret, en revanche, si vous le trouvez, chapeau. Voici Passé Muscade, un tour inspiré du Bonneteau. Regardez. Merci, merci Stéphane. Je voudrais maintenant te présenter, vous présenter à vous tous, peut-être le plus ancien tour de magie du monde, le noble et antique jeu des gobelets. C'est très certainement le plus vieux truc du monde. Mais vous savez qu'en magie, il n'y a pas qu'une seule solution. Il y a des solutions très, très élaborées. Alors je vais vous montrer celle-là parce que celle-là me plaît particulièrement. C'est le même effet, mais à ma façon. D'une certaine façon, mais on va le faire en musique très rapidement, ne vous inquiétez pas, musique. 3 gobelets. C'est parti. La balle est à suivre, elle est au centre. C'est très facile, je prends la balle comme ceci. Bien sûr, il n'y a rien dessous. Je prends la balle, je la fais passer. Automatiquement, la balle passe ici. Plus fort, rien ici. La balle arrive ici. Je reprends la balle. Non, non, non. Non, 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 elle a entièrement disparu. Dave, tu me dis stop quand tu veux. Là, impeccable, la balle est revenue, on peut applaudir Dave. Le noble et antique jeu des gobelets, mesdames et messieurs. Merci. Voilà, alors effectivement, c'est un tour classique, hein, vieux comme le monde. Eh oui. La balle voyageuse, ouais. Comme ça. Alors, à votre avis, Armel, comment on réalise ce tour? Avec un aimant. Avec un aimant. Tiens, pour une fois, c'est une explication qui paraît plausible. Parce que depuis le début, vous sortez des trucs tellement incroyables. Je ne suis pas celle que vous croyez. Je m'en rends bien compte. Allez, je vous laisse encore réfléchir quelques instants à la solution de ce tour. On va vous la donner tout de suite. Mais en attendant, une page de pub. A tout de suite. Vous allez assister à l'expérience interdite du repas de la mort. Notre magicien est le seul au monde à avaler autant de lames de rasoir. Vous découvrirez le secret utilisé par les mentalistes pour prédire un tirage de loterie. Nos magiciens vous montreront comment faire de la grande illusion avec un camion à quelques mètres de notre public. Et enfin, vous assisterez à l'un des tours les plus connus de l'histoire de la magie, la femme sciée en deux. Ce soir sur M6, on vous révèle les grands secrets, les grands mystères de la magie. Rappelez-vous ce que nous avons vu juste avant la pub, c'était Gaëtan dans ses œuvres. Non, 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 elle a entièrement disparu. Dave, tu me dis stop quand tu veux. Là, impeccable, la balle est revenue, on peut applaudir Dave. Alors, est-ce que vous avez une idée, une solution pour ce tour? Dave. Écoutez, il y a une balle sur chaque gobelet, il y a une manière de le soulever ou pas le soulever. D'accord. Ouais, c'est ça. Patrick. Ouais, je crois, ou peut-être un bouton sur le verre qui fait tomber la balle ou qui la retient, je sais pas, un truc comme ça. Une sorte de verre truqué. Voilà, c'est ça, ouais. Vous avez, vous, dans le public, une idée ou pas? Ouais. Oui. Ah, quelle unanimité. Alors, on va quand même regarder les possibilités. Prenez vos petits boîtiers, vous avez maintenant l'habitude. Alors, les manches de costume sont truquées. Ça peut être une solution. Le gobelet à double fond. La trappe dans la table. Quatrième solution, c'est une autre solution. Alors, c'est parti. Allons-y. Allons-y. Armel chante. Eh bien. Pas si évident que ça, quand même. Je pense que le plus simple, puisqu'on a du mal à se décider, c'est que Gaëtan nous donne la solution. Vous allez voir, elle est extrêmement savoureuse. Oui, Stéphane. Alors, effectivement, vous avez dit trappe dans la table, en quelque sorte. C'est-à-dire, on va enlever le jupon. Tu peux l'enlever. On va comprendre. Attention, ça va vous surprendre. Ce qui est très important, hein.
Ce qui est très important, c'est cela. C'est le dessus. Le dessus est fait d'une sorte de grillage, vois-tu, qui masque en fait, effectivement, la trappe à l'intérieur de la table. Mais c'est pas n'importe quelle trappe, parce que dès que le grillage est posé dessus, on ne voit plus rien. D'accord ? Ça, c'est le premier élément de la solution. Le deuxième élément, je vous le fais découvrir, c'est simplement, bon, c'est un séchoir à cheveux, vous voyez ? Comme ceci. Donc, on met en marche. Voilà. Il se met en marche. C'est pour ça que le tour se fait en musique. Vous comprenez ? Et comme ceci, c'est très simple. Je vais vous le montrer simplement avec un gobelet transparent. Si vous êtes derrière la trappe, il ne se passe rien. Dès que vous arrivez dans l'axe, la balle est en lévitation, donc vous pouvez montrer qu'il n'y a rien. Si vous mettez, pour qu'il ait un petit peu, à nouveau, vous pouvez montrer qu'elle est là, etc., 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 etc. C'est juste pas énorme. Plus simple que ça. C'est juste énorme. Avouez quand même c'est pas malade. C'est introuvable. C'est introuvable. Celui qui trouve le séchoir à cheveux. J'avais dit, si vous trouvez, c'est vraiment un chapeau. Je vous propose de retrouver maintenant Stéphane Leschen, qui va nous raconter l'histoire du bonneteau et nous montrer qu'avec quelques balles, on peut faire des miracles. Regardez. Armel, vous venez m'aider ? Bienvenue au Moyen-Âge, une période que les aristos connaissaient bien, je crois. Oui, oui. À cette époque-là, ils faisaient le fameux tour du bonneteau. Le bonneteau, à l'époque, se pratiquait simplement avec deux gobelets et deux muscades, l'épice la plus recherchée de l'époque. À cette époque, le magicien prenait une muscade qu'il faisait disparaître du bout des doigts. Une deuxième muscade, évidemment, et à chaque fois, les muscades réapparaissaient toujours là où on ne les attendait pas. Après, il faisait jouer les spectateurs. Donc, une muscade sous chacun des gobelets. Là, il fallait deviner où était la muscade. Donc, évidemment, elle était toujours là où on ne l'attendait pas. Là, les gens étaient persuadés que les gobelets étaient truqués. Vous pouvez vérifier, allez-y, tapez sur le fond. Très bien. Allez-y. Très, très bien. Et pourtant, malgré ça, il donnait l'illusion que la muscade traversait. C'est vous, maintenant, Armel, qui allez tenter l'impossible. Allez-y, prenez la muscade. Dans la paume de la main, c'est vous qui allez le faire. Qu'est-ce que je dois faire ? Venez avec moi, Armel. Venez avec moi. Attention, on y va. C'est la cadeau, la petite cadeau, la petite cadeau. Un, deux, trois. La muscade a disparu. Et peut-être qu'elle est arrivée déjà sous l'autre gobelet. J'y vais tout doucement. Vous l'avez fait, Armel. Oh, c'est sorcellerie ! On va essayer d'aller encore plus loin. Encore plus loin. En éloignant vraiment la muscade, en la mettant dans la poche pour que la muscade revienne sous le gobelet. On regarde. Oui. Eh ben non. Peut-être qu'elle est déjà arrivée sous l'autre gobelet. Regarde, soulevez-vous-même, allez-y tout doucement. Elle est énorme. Armel, on va le faire même avec celui-là. Maintenant que vous avez le pouvoir magique, si je mets la muscade, soulevez le gobelet, peut-être qu'elle est déjà arrivée. Je vous explique le truc. Depuis le début, j'ai mon assistant qui est là, qui travaille dur, qui a beaucoup répété. C'est lui qui actionne tous les mécanismes. Je vous le présente. C'est Max. Max, tu dis bonjour. Bravo, mon Max. Bravo. Bah, tu vois quand tu veux. Merci, Armel. Je vous fais chevalier. Quelle chance, Armel. Dans le tour qui va suivre, Caroline va vouloir nous faire croire qu'elle peut se désincarner et faire voyager son esprit dans ce studio. Forcément, ça n'est pas vrai et il y a un truc. Mais lequel ? À vous de deviner. Alors, pour ce tour, on va retrouver Caroline Marx qui est en condition dans cette jolie méridienne. Caroline, ça y est, vous commencez à... Je commence, à vous déplacer dans le studio. Petit à petit, je commence, oui. Bon,
concentrez-vous. Et moi, je vais chercher quelqu'un dans la salle. Alors, je vais, pardonnez-moi, mais je vais du côté où ils ne voient pas très bien depuis le début. Alors là, ils seront aux premières loges. Pour une fois, je me déplace. Parce que je sais que depuis le début du spectacle, vous ne voyez pas très très bien parce que vous êtes un peu dans l'angle. Alors cette fois-ci, vous serez aux premières loges. Bonsoir. Vous vous appelez comment ? Cindy. Bonsoir, Cindy. Voilà, alors là, vous verrez mieux que personne. Mieux que personne, vous allez nous aider. Merci d'être là, ça vous plaît ? Bien. Alors, vous avez ici des boules de billard. Tout le jeu habituel des boules de billard. Je vais vous demander d'en choisir au hasard, vous choisissez absolument ce que vous voulez, 6 et vous les mettez les unes après les autres dans ces coupelles. Allez-y, vous êtes prête ? Oui, oui, tout à fait. Première boule. Deuxième boule. Caroline, est-ce que vous commencez ? Je me concentre. Elle se concentre. Vous, tout va bien aussi ? Très bien. Continue. Au choix, hein ? Vraiment ? Très bien. Encore une. Et la suivante. La dernière maintenant. Vous êtes certaine de votre choix ? Oui, tout à fait. On ne change rien ? On ne change rien. Bien, Caroline. Oui, Stéphane. Est-ce que votre esprit se déplace maintenant dans ce studio ? Ça commence. Est-ce que vous arrivez, par exemple, à apercevoir la première boule, celle que maintenant je désigne du doigt ? Il me faut vraiment le silence dans la salle, s'il vous plaît. Je vais passer par-dessus votre épaule. Faites. Et je commence à voir la table. Je vois la table. Ça y est, je commence à voir la première boule. La première boule, je vais m'approcher un petit peu. Attendez. Je m'approche, je vois le numéro 3. Le deuxième numéro, attendez. Deuxième numéro, Caroline. J'avance tout doucement, j'avance. Je vois le numéro 12. Bon. Le troisième numéro. La troisième coupelle, celle que je monte maintenant. Je vois le numéro 4. Je me reconcentre. Écoutez, on va passer à la cinquième. Cinquième ? Ouais. Alors, attendez. La cinquième. Faut que je me remette dans le... Je ressens pas grand-chose, je ressens... Ce serait pas une boule blanche ? La cinquième. C'est une boule blanche, Stéphane, la cinquième. C'est une boule blanche. La cinquième est une boule blanche. La sixième coupelle. Sixième coupelle, c'est le numéro 9. Très bien, Caroline. C'est presque le sans faute. Vous avez fait une erreur sur la troisième coupelle. La troisième coupelle était... J'ai dit le numéro 4. Ouais. Je dirais que c'est le 2, alors. Le 2 ? C'est bien. Très bien. Alors, on va reprendre. Et je crois, parce que je vous ai un petit peu piégé, Caroline, que je ne vous ai pas demandé la quatrième coupelle. Quatrième coupelle, Stéphane... C'est le numéro 8. Bien. Cette fois-ci, c'est le sans faute. Après une petite hésitation, mais un résultat impeccable à l'arrivée. Merci beaucoup. Merci encore, Cindy, d'avoir été avec nous. Allez, est-ce que vous avez une idée de la manière dont on fait pour deviner comme ça les coupelles ? J'entends le public déjà qu'on a trouvé. Armelle. Je pense que cela demande un peu de réflexion. Oui. D'accord. Oh ben. Ouais. C'est joli. Oui.
Patrick. Voilà. Moi, je pense qu'il faut avoir une bonne vue de loin. D'accord. Non, voilà quoi. Moi, j'ai trouvé. Enfin, je pense qu'on a que j'ai trouvé. Moi. Et lorsque pendant presque deux ans, on fait ça le comble tous les soirs. Ouais. Est-ce qu'il faut avoir une vue de loin? Il faut avoir une vue de loin. D'énergie. Non, il faut de, voilà, il faut avoir de l'énergie. Ouais. Et c'est vrai que ce spectacle, il tourne maintenant. Vous revenez à Paris dans quelques jours. Voilà, ça, dans 10 jours. La Cigale. Ouais. Et alors, ça marche depuis maintenant presque 2 ans. Vous faites toutes les villes de France. Plus d'un an, non. Voilà quoi. Après, vous jouez. Je suis très content de en plus de rencontrer le succès avec ce spectacle-là. On va regarder un petit extrait, si vous voulez, pour le plaisir quand même. Ouais, bien sûr. Allez, on regarde Patrick Bosseau dans ses œuvres. Il est à nouveau à Paris, toujours en tournant toute la France. Regardez, on va regarder. Il y a quelques instants. Pour ma mère, pour aller à l'école, il fallait être nickel. Cancre, d'accord, mais cancre propre. C'était ça la devise de la maison. Ça la casse. Qui c'est qui a tué Henri IV? Franchement, je le sais. Mais je peux pas le dire, je suis pas une balance. Le cheval de Zorro, il s'appelait Tornado. Comme l'aspirateur de ma merde. Un cavalier qui surgit de la nuit en pyjama sur son aspirateur. J'ai souffert avec Bruce Lee. Marqué, y a pas que moi qui ai souffert. Ma sœur aussi, la pauvre. Parce que elle, comme elle était blonde, elle faisait chez Maurice. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le public, Patrick, dès que son extrait est passé sur l'écran géant, il est parti. Pourquoi? C'est toujours difficile de regarder c'est comme vrai. Ça. En plus, c'est un spectacle. Ça marche toujours, on se marre toujours. Hein. Mais en tout cas, je suis très heureux de jouer ce spectacle qui est autobiographique. Je raconte un petit peu. Ce qui est formidable, c'est sincèrement, c'est l'autodérision, la capacité à rire de soi qui n'est pas forcément aussi répandue que ça chez les humoristes. Et là, il n'y a vraiment pas de problème. Voilà, Patrick a une capacité de rire de lui, des siens, avec beaucoup de tendresse. Voilà, c'est ça. Et c'est toujours un grand plaisir. On va retourner vous voir, hein, forcément. Avec plaisir. Cela dit, moi, je veux quand même qu'on continue notre réflexion sur le tour de tout à l'heure. Est-ce que vous, dans le public, vous avez une idée sur la façon dont Caroline a pu voir les boules de billard? C'est loin, quand même. La une, Caroline est voyante. La deux, elle voit bien. Elle n'est pas non-voyante. Un jeune miroir. La trois, les boules collées, sauf 6, ça veut dire qu'effectivement, dans la sphère, on ne pouvait en prendre que 6. Ah oui. Ou alors. Oui, mais dans quel ordre en fait, une autre solution. Vous collez, ça peut arriver, mais. Oui, c'est ça. Méfiez-vous, il y a peut-être un piège. Vous êtes prêts? Allez-y. Caroline est voyante. Allez, on regarde le résultat maintenant. Je sens une satisfaction dans le public, à peu près sûr de son fait. On est à 75% pour un jeu de miroir. Alors regardez, attention. Alors, mais où vont-ils? Alors. Sur le plafond du studio, regardez, on voit un miroir qui est juste là. Cela dit, pour quand même vous montrer les choses, le miroir est quand même assez haut, on voit les choses d'extrêmement petit, c'est vrai. Et ça réclame à la fois la mémoire, parce qu'on ne distingue absolument pas le numéro, comme vous pouvez l'imaginer, on distingue juste la couleur de la sphère. C'est un jeu de mémoire assez simple, mais il faut se rappeler bien sûr de la couleur de toutes les boules de billard pour bien sûr anticiper le numéro. Ah oui, quand et même. Puis une certaine vue, un petit peu quand même. C'est pas si simple, mais voilà, effectivement, le tour, c'est tout bête. Mais c'est vrai que c'est ça, à nouveau, la magie, c'est que souvent, forcément, vous imaginez, les magiciens positionnent quelques accessoires pour les aider, il n'y a pas de complice. Mais là, il fallait juste que Caroline se rappelle tranquillement de toutes les boules de billard. Bien, je vous propose maintenant de retrouver un tour fait dans le même esprit. Mais cette fois-ci, la sélection des numéros va se faire avec une machine officielle, vérifiée par huissier. Je vous prie de retrouver, tout simplement, Stéphane Leschène. On applaudit. Pour cette expérience, je vais avoir besoin qu'une personne du public soit choisie de manière totalement aléatoire. Et c'est pour ça que je vais demander à l'un de nos invités de me désigner au hasard une personne du public. Dave, si vous voulez bien m'aider,
désignez-moi une spectatrice dans le public. Allez. Au hasard. Je ne suis pas spécialiste, mais je vais prendre la... la belle blonde, ouais, naturelle. Voilà. Je vous en prie. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, jeune homme. Je m'appelle Stéphane. Quel est votre prénom? Annie. Annie. J'ai ici la pièce Porte-Bonheur. Vous la gardiez précieusement sur vous? Oui. Ce matin, j'ai acheté un ticket à gratter. En pensant fort, très fort, au moment que vous allez vivre. Dans certaines séances paranormales, les magiciens utilisent des subterfuges, des miroirs, par exemple. Nous, non. On va aller beaucoup plus loin ce soir avec une véritable machine de tirage de loterie. Juste ici, Annie, si vous voulez bien passer de l'autre côté, Annie. Il se moque là. Très bien. Annie, ici, je crois que c'est 63 boules qui tournent comme ça. Donc il va falloir en tirer une au hasard, puis deux, puis trois, puis quatre. Quatre boules. Et peut-être que ce soir, du côté de mon cœur, ça marchera. On va commencer le tirage. On envoie la machine. Et voilà, c'est parti. Toutes ces boules qui se mélangent de manière aléatoire, au moment où vous allez dire top, une boule sortira. Quand vous voulez, top. Top. Le 51. Je le pose dans le premier gobelet. Quand vous voulez, cette fois-ci, c'est vous qui allez arrêter la balle. Annie. On y va quand vous voulez. Top. Top. Allez-y. Oh, mais vous pouvez même la prendre très, très bien. Le 5. Le 5. On y croit au 37, hein. On y croit. Annie. Top. Top. Vous avez des doigts de magicienne. Bravo. Le 42. Et là, allez-y, Annie, quand vous voulez. Le 21. C'était pas mal. C'était pas mal, Annie. Il est important que vous puissiez voir. Merci pour la machine. Merci beaucoup. Ah. Il est important que vous puissiez voir que cette machine est complètement en plexiglas, que personne ne peut rentrer, sortir, et que ce tirage s'est fait de manière totalement aléatoire. Annie, vous me rejoignez? Je rappelle, le 51. Oui, 51. Le 5. Le 5. Le 42. 42. Et le 21. Et le 21. Dans ma poche, on va voir le ticket peut-être gagnant. Allez-y, grattez. Le premier numéro. Le 51. Le 51. Annie, on y croit, alors attention, le 5. Le 5, en effet. Ça va? Très bien. Vous sentez la tension qui monte sur les deux derniers chiffres pour le gros lot? Troisième chiffre, allez-y. Je vous écoute. Le 42. 51, 5 et 42. Grattez le dernier numéro. Le 21. Le 21. Annie, vous repartez avec les applaudissements du public. Avec 5 centimes. Pièce porte-bonheur. La grande force de la magie, c'est son extraordinaire variété. On peut faire des tours dans le tout petit espace avec un minimum de moyens. Certains magiciens ont fait le tour du monde avec une balle ou quelques foulards.
Mes autres magiciens ont besoin de beaucoup, beaucoup plus d'espace. Regardez. Ah. Otto. Otto. Oui, c'est moi. Otto. Oui, Karim. Est-ce que tu as un rêve dans la vie? Oh oui. C'est quoi? Ah. Qu'est-ce que c'est, dis-moi. Un rêve. Je veux disparaître. Disparaître? Oui, quelquefois je veux disparaître. Mais comment? Mais comment? Pas la française, pas l'anglaise. Spectaculaire. Amérique. Les States. Las Vegas. Las Vegas? Oui. Alors faites entrer le camion! Le camion! Avec les camionneuses! Écoute, aujourd'hui on va même pas te faire disparaître, Otto. On va te faire voyager. Est-ce que tu as envie de déménager plutôt à Las Vegas? Téléportation. Téléportation. Oh, oui. Mais moi, n'oublie pas tes bagages. Ah. On y va, les copains? Oui, on y oui, va. On y téléportation. Va. T'as toute la place pour toi, Otto. Allez, on ferme les rideaux. On ferme les rideaux. Voilà. Oh, y a rien derrière, y a rien nulle part. On appelle ça. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? On appelle ça la présence, évidemment. J'ai pas l'impression qu'il est disparu. Pourtant, normalement, on m'a dit que c'était un tour qui faisait un carton, mais là, je ne sais pas. Tu es toujours là, Otto? Il me semble que tu as un grossi, mon Otto. Oui, on arrive. Délivrons-le, alors. Allez, qu'est-ce qu'il... Mon Dieu. Pas, non. Otto! Et c'est cadeau! Je suis toujours là, tant pis. Ah. Ah. Oh, les délices! C'est la mort! Mais va! Ah. Bien, bravo, bravo. Alors, bon là, c'est un tour dans de grandes proportions. Hein. L'explication. Otto, attention. Pas facile, hein. Je vais vous laisser à votre réflexion. La solution, en fait, est tout à fait étonnante. Une petite page de pub et on se retrouve sur le plateau. A tout de suite. Bientôt, vous découvrirez que si notre magicien mange des lames de rasoir, il peut aussi recracher du papier. Vous apprendrez comment on peut faire disparaître un liquide dans un simple verre à pied. Vous verrez la famille Ross dans un numéro de Grande Illusion. Et je suis certain que vous vibrerez au rythme de la tronçonneuse de Otto Vesely qui, avec une froide détermination, coupe sa partenaire en deux. Ce soir sur M6, nous perçons les secrets de la magie. Vous êtes plutôt bon hein, dans le public depuis le début, vous êtes très perspicace. Mais on va quand même revoir ce qui s'est passé juste avant la pub. Alors là, il y a Otto Vesely dans le camion, on a fait son numéro, on referme comme ça les volets du camion et en quelques secondes vraiment, Otto est complètement submergé par des cartons et le tour est joué. Alors pour ce tour, par exemple, quelle est la solution? Oui. On va regarder les propositions. Allez, regardez sur l'écran. Otto, surtout, est extrêmement confortablement assis. Alors, possibilité numéro 1. Cartons gonflables. Des cartons gonflables. Possibilité numéro 2. Des cartons dépliables. Non. Possibilité numéro 3. Des chargements par la cabine, puisqu'il y a une cabine avancée dans ce camion. Ou une autre solution. Alors, je demande au public de voter. Vous êtes prêts? Attention. Allez-y.
On va regarder les résultats. Alors, écrasante majorité pour les cartons des plis. 92%, ok. Encore une fois, admettons, ces cartons... C'est un score chiraquien. ...se déplient, mais alors comment exactement regarder en image. Otto est dans le camion, on ferme les rideaux. Otto est dans l'auto. Voilà, Otto est dans l'auto. Et alors là, regardez, il déplie en quelques secondes les cartons. Alors, pour l'explication que nous avons filmée, il va beaucoup moins vite, bien sûr, que dans le vrai tour. Les cartons ont un système élastique qui leur permet de se déplier très rapidement. Et la difficulté, c'est de faire tout ça en moins de 3 secondes. C'est du boulot, hein. C'est du boulot, mais il travaille. Voilà, toujours. Et c'est comme ça, tout bêtement. Et voilà, et il se dissimule. Au total, il y en a... Il y en a quelques dizaines. Bien. Yeah. Je vous propose maintenant de nous rendre à l'extérieur du studio où nos quatre magiciens ont décidé de nous montrer l'étendue de leur talent. Et là, réellement, soyez attentifs. Le tour que vous allez découvrir dans quelques instants est réellement extraordinaire. Pendant la répétition, tous les non-magiciens qui ont assisté à ce numéro et qui étaient pourtant à quelques centimètres de l'action n'ont absolument rien compris. Regardez. Eh bien Gaëtan, nous voilà de nouveau sur le parking pour le défi. Mais oui mon Stéphane, et ça va être un défi carton. Carton avec de la musculation. Ah non mais soft, soft la muscu. Hein, oui, mais... On va même muscler quelques personnes du public, pas oui. N'importe lesquelles. Non, on va prendre des dames, ça va être du soft. Allons-y. Oh, 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 oh. Elles ont toutes envie, regarde les sourires, ça s'illumine. Allez, t'en prends deux, j'en prends deux. Oui, vous, tiens par exemple. Allez. Oui. Vous deux, vous venez avec moi. Impeccable. Allez, on venez voir derrière le carton. Il y a une chaise par là. Venez voir derrière le carton. C'est un grand carton très léger qui tient sur quatre chaises. Vous allez pouvoir tenir le carton. Vous tenez bien le carton. Vous pouvez même le soulever. Vous pouvez le soulever. Et je vais retirer les chaises. Une chaise et deux chaises. Et toi, mon Gaëtan? Impeccable, regarde. Hop, plus de chaises par là. Oui, oui, oui. On va retirer combien il pèse, là, à votre avis, le petit carton? 30 kilos? 30 kilos, ça me semble beaucoup. Et vous? 20 kilos. 20 kilos? Ah, hein, elle est plus costaud, peut-être? 20 kilos, 30 kilos. Je Stéphane, suis là. Tu es là, mon Stéphane, oui? Oui, bah moi, j'ai 20 et 30 kilos de mon côté. Moi, j'ai 15 et 45, on n'est pas loin. Hein. Ah non, ça s'équilibre, tout ça. Hein. Oh, impeccable. Il y en a une qui est très, très, très proche du poids réel. Oui, c'est vrai. Alors, petit exercice de musculation. Attention, on soulève, c'est une petite plume, tout ça. Oh oui, c'est impeccable, on rebaisse, on ressoulève, c'est toujours une petite plume. Et maintenant, attention. On va rendre ce carton très, très lourd. Toutes les deux. Regardez-moi intensément dans les yeux, intensément. Et le carton devient lourd, tellement lourd que vous êtes obligé de le baisser jusqu'au sol. Doucement, progressivement, oui, de plus en plus lourd le carton. Incroyable. Vous êtes obligé de le poser, vous avez senti? Elles ont senti, Stéphane. Eh bien, ce n'est plus 20, ni 40, ni 200 kilos, mais bien plus, peut-être même une tonne. Qu'est-ce qui se passe? Oui, t'entends? Allons-y! Que vois? T'as une voiture, toi? Bah, elle vient de partir avec. Ouais. Comment t'as trouvé ça, toi? Caro, elle est comme ça, Caro. Bah, nous, on est peut-être comme ça, maintenant. Ouais. Quelqu'un une bagnole pour nous? Ce tour a été réalisé, vous le connaissez, à l'extérieur du studio, sur le parking. Vous pouvez vérifier en sortant. Il n'y a pas de trappe. On l'a vraiment filmé dans la continuité. Et les gens qui étaient là tout autour n'ont absolument rien pigé de ce qu'ils ont vu. Ce tour est tout à fait étonnant. Voilà, hein, c'est ça. On est bouche bée. Les magiciens ont un savoir-faire formidable. Ils maîtrisent la matière et se jouent des éléments. Regardez Caroline et Otto, qui avec un simple verre et un peu de liquide, font des choses étonnantes. Mais comment font-ils? À vous de le découvrir. Alors, Otto,
Qu'est-ce que tu vas nous faire comme tour, mon petit chouchou? Eh bien, j'ai décidé de travailler avec ce liquide. Je te fais grâce de toute association médicale. Ce liquide va disparaître en quelques secondes. Je couvre ce liquide avec le foulard que j'ai fait construire à Las Vegas. Et dans quelques secondes, le liquide, il va être disparu aussi rapide qu'il est apparu. J'ai dit 1, 2, 3, je couvre encore une fois, et le liquide, il n'est plus là. Grâce à Magic Arts Factory Las Vegas. Est-ce que vous avez une idée, Armel? Il y a un petit réchaud secret. L'évaporation. Qui est caché en dessous et s'est évaporé à toute vitesse. Ouais. J'aime bien les explications devant. D'Armel parce que elles sont crédibles fondamentalement crédibles. Voilà. Ça exige une chaleur absolument torride dans l'espace de quelques secondes. Mais extrême. Et seul est resté l'esprit de vin. Absolument. Autrefois, on servait de l'esprit de vin pour soigner les gens. Je complique. Et quand il va nous montrer la solution, ça va être ridicule. On va dire, oh là là, c'est ça. C'est un petit peu ça. Ouais, alors, quatre possibilités arrivent sur cet écran. Vous allez pouvoir choisir avec vos petits boîtiers. Préparez-vous. Alors, la première possibilité pour ce tour, un système de siphon. C'est possible. C'est possible. Oui, c'est deuxième possible. Possibilité, le verre évaporant. Ah, on sera toujours à la solution d'Armel. Troisième possibilité, le double fond. Quatrième possibilité, j'ai entendu des A dans la salle. Une autre solution. Vous êtes prêts à voter? Allez-y. Système 1. Moi, je dirais. 1. La science s'impose. Il n'est pas contorsionniste, alors. Et le choix du public. Ah, quand même. En majorité, le siphon, mais le verre évaporant est pas loin. Et le double fond, il n'y croit pas parce que c'est vrai que la table n'est pas très grande. Alors, on va regarder la solution. Auto. Alors, encore une fois, la solution est très simple, mais comme toujours, il fallait y penser et surtout, il faut être rapide. Alors là, on va retirer le foulard pour que vous compreniez bien. En retirant le foulard, on voit qu'il y a un tuyau transparent qui est dissimulé dans la manche d'Otto. Otto glisse le tuyau dans le verre et à ce moment-là, c'est Caroline qui aspire. Mais le tuyau, il passe dans la manche, puis dans la veste et vous le voyez, il est sous la table, puis il remonte sous la jupe de Caroline et tout simplement, il arrive, vous le voyez, dans le verre. La difficulté, c'est bien sûr que Caroline doit aspirer le liquide très rapidement sans qu'on s'en rende compte et voilà, le tour est joué. Ce tour-là, bien sûr, vous pouvez le faire chez vous. Vous le voyez, hein, il n'y a rien à faire. Les explications des tours de magie, c'est toujours très simple, c'est juste qu'on n'y pense pas. C'est étonnant, hein, Patrick? Voilà, c'est de la tuyauterie, quoi. C'est tout simple, tout bête. La force des magiciens, c'est bien sûr de nous emmener dans l'illusion, de nous faire rêver. Mais le tour que vous allez découvrir maintenant a un titre qui, à lui seul, est tout un programme. Il s'appelle Le Tour de la Mort, et c'est Otto Wessely, l'étonnant Otto Wessely, qui l'a imaginé. Regardez. En effet, le repas de la mort, une expérience d'une brutalité au-dessus de tout soupçon. Le repas de la mort... Le repas de la mort a été inventé par M. Robert Houdin. Qui était M. Robert Houdin? C'était le fondateur de la magie moderne, 1753 à 1754. Il est mort très jeune. M. Robert Houdin inventa le repas de la mort, mais jamais cet grand artiste exécuta l'expérience. Pourquoi? Pourquoi vous me demandez? Vos yeux, ils ont soif de le savoir. Je vais vous dire. M. Robert Houdin a reçu une lettre. Une lettre qui était adressée par ses amis. Je trouve cette lettre chez un antiquaire. Et dans cette lettre, c'est marqué « Cher ami et confrère, adressée à M. Robert Houdin ». C'était qui, M. Robert Houdin? Le fondateur de la magie moderne. Voilà, oui, c'est ça, 1780. Il a reçu cette lettre. Je vais vous demander maintenant de lire cette lettre que M. Robert Houdin a reçue. Cher ami et confrère. Cher ami et confrère, tu as su repousser les frontières de l'impossible de plus en plus loin. Point. Avec ton merveilleux sac à l'œuf, tes anneaux chinois, ta corde coupée,
Tu as enchanté, subjugué, émerveillé des milliards de spectateurs. T'exagères un peu. Mais c'est facile. Avec ton... J'allume un peu, j'accélère un peu. Tu veux aller trop loin. Non, moi, sans ça... Ils ont trouvé une fin tragique au cours de cette périlleuse expérience. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? On comprend rien. Dave, tu continues. Ça y est, c'est bon. Nombre sont seuls. Nombreux sont ceux qui ont trouvé une fin tragique au cours de cette périlleuse expérience. Pense donc à ta jeune fiancée, à tes enfants et à tous ceux qui t'aiment et renoncent à ce défi. Nous te supplions. Le repas de la mort. Après 40 ans, ça me fascine.
Montorezzi, mesdames et messieurs. Montorezzi. Il est exceptionnel. Bravo, Otto. Bravo, Otto. Otto Vézi est un magicien qui a fait le tour du monde avec ce tour. Ouais. Ah ouais. Dans le monde entier, aucun magicien au monde n'avale autant de lames de rasoir. C'était des vraies lames de rasoir avec son dans le monde entier. Alors surtout, hein, les enfants, ici dans la salle et ceux qui êtes chez vous, n'essayez pas ce tour. Il est réellement très dangereux. Ce sont des vraies lames. Et Otto est incomparable dans le monde avec ce tour. Allez, dans quelques instants, on va retrouver la famille Ross avec la mère qui disparaît, le père qui apparaît, les enfants qui taguent les murs. Et nous verrons l'inimitable Otto Vézi, toujours déchaîné avec sa tronçonneuse. Il va couper Caroline Marx en deux. En attendant, voici un tour simple que là encore, vous allez pouvoir faire à la maison. C'est un tour terriblement efficace. Vous allez voir comment rendre magique une simple pièce de monnaie. À vous de deviner comment. Otto ! Oui ? Je vais te faire un tour avec cette pièce de 1 euro. Ah ! Tu vas me verser un peu d'eau, Otto, vas-y. Si tu veux. Merci, Otto. Et là, avec cette pièce de 1 euro, je vais commencer la traversée de la matière. La pièce va passer au travers de la tasse. Je suis enthousiasmé. Otto, vas-y, fais la formule magique. Vas-y. Oh ! Vas-y, Otto. Oh ! Je pousse un peu. Hein. Vas-y, vas-y, Otto, vas-y. Oh ! La pièce va passer au travers de la tasse. La pièce la traverse. Je suis ébloui. C'est moi qui ai fait ça avec mes propres mains. Et bien sûr, pour les petits malins, il y a ici que de l'eau. Merci Caroline, merci Otto. Alors Armelle, j'ai hâte d'avoir votre solution poétique. Qu'elle a trouvé Armelle. Je pense que cette pièce est en fait un aspirine. Oui. L'aspirine effervescente. D'accord. Continuez, continuez, gardez votre calme. Oui. Au contact de l'eau, oui. C'est dilué. Elle est énorme. Oui, oui, Armelle. Et ensuite, comment la pièce tombe ? Eh bien, okay. Grâce à un choc thermique. D'accord. Elle se reconstitue. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est tout bête. Moi, on n'y pense pas. Ouais, c'est ça. Patrick aussi. Bon. Moi, je pense que c'est ça. Mesdames, messieurs, soyez prêts à voter. La pièce est collée sous la tasse. En deux, il y a un trou dans la tasse. En trois, la pièce est soluble. Et en quatre, moi, je dirais un. C'est une autre solution. Alors, Dev, ouais, la pièce est collée sous la tasse. Ouais, okay. Entre ce que dit elle et la... Ouais. Moi, je pense que la pièce, avec sa main droite, elle ne la met pas dans la tasse. Elle ne la met pas dans la tasse. Et après, il y a une pièce qui est collée sous la tasse. Et avec l'eau chaude, ça décolle la pièce. Oula, qui tombe dans le verre. Ça va très, très loin. Ça va très... Alors, on va... Dans quelques secondes, vous révélez cette solution. Auparavant, je voudrais parler avec Dev. Non seulement il y a un album qui est sorti depuis quelques temps, tout le plaisir était pour moi, mais oui. En plus, cet album est sur scène maintenant, on peut l'entendre. Mais moi, quand on aime votre voix, c'est un plaisir. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il faudrait surtout aller voir le voyage dans le pays d'Armelle. En Armélie. En Armélie. Armelle est en spectacle aussi, c'est ça. Mais surtout, j'aimerais beaucoup qu'on aille voir ce spectacle à Saint-Raphaël. Si je me trompe pas, c'est le 21. Le 22. Ah, mais je viens le 21 pour être sûr d'être à l'heure. Absolument. D'accord. C'était une sorte de tour de magie que vous voulez nous faire faire, c'est ça ? Tour de magie. D'accord. Et je passe maintenant la parole à Armelle, qui va mieux que moi parler de mon spectacle. Parce qu'après le 22, on a tout à fait le temps de revenir à Paris pour aller voir Dave à partir du 28, le 29, le 30, le 31 et le 1er à l'Européen. Le 31, c'est très rare. Absolument. Parce qu'il n'y a pas 31 en septembre. Voilà, bon. Mais c'est pas très grave. Mais c'est plutôt pas mal comme promo.
une promo croisée comme ça est plutôt sympathique, mais on a compris. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai pour moi, c'est tout à fait nouveau parce que j'ai toujours fait la même salle à Paris, c'est-à-dire l'Olympia. Et cette fois-ci, l'Européen, c'est complètement autre chose. Et j'ai fait complètement autre chose. C'est-à-dire que je vais faire mes chansons connues, des Swan, Vanilla Company, mais dans une formule. Mais dans une formule presque musique de chambre, c'est-à-dire que des violons, ça va être évidemment un nouvel album. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est les deux. Mélange des anciennes et nouvelles, c'est une formule qu'on appelle aujourd'hui acoustique. Et ça va être très différent, et je crois que pour la première fois, j'aurai vraiment le trac, quoi. Parce que c'est vrai. Autre chose. Donc, le 21, on va voir Dave avec le trac. On va, le 26, on va à la Cigale. Voilà, c'est ça, à la Cigale. On a la Cigale, on a l'Européen, on a Armel en spectacle. Armel en spectacle. Alors, je suis désolé de vous ramener à des choses un peu plus concrètes. On en était quand même au vote du public. Vous n'avez pas encore voté, mais vous allez maintenant choisir. Vous êtes prêts? Allez-y. Alors, on regarde. Wow, c'est pas si simple. Ah. La pièce collée sous la tasse, majoritaire. Un trou dans la tasse, quand même, un petit peu. Et si on regardait la solution, hein, pour voir. Comme ça, on va mettre tout le monde d'accord. Alors, pour réussir ce tour, il faut bien sûr deux pièces de monnaie. C'est là où est l'astuce. Une cuillère, la tasse, un petit morceau de sucre qui lui aussi sera très utile et un morceau d'emballage de fromage. Avec cet emballage, vous allez pouvoir coller une des pièces de monnaie, vous mettez l'emballage et vous collez la pièce de monnaie sous la tasse. Alors bien sûr, ça, il faut le faire avant pour préparer le tour, très discrètement, à l'abri des regards. Voilà, comme ça, la pièce est collée et le tour peut commencer. Mais attention, il ne faut pas oublier de dissimuler le petit morceau de sucre entre vos doigts. Regardez bien comment Caroline s'y prend. C'est très simple, hein, il suffit de le coincer dans la main comme ça et vous avez encore deux doigts de libre pour prendre la pièce de monnaie. À ce moment-là, vous pouvez commencer à verser l'eau bouillante. Cette eau très chaude va faire fondre la cire qui est juste en dessous du verre, donc il faut aller très vite. Il faut donner l'illusion qu'on fait tomber la pièce, mais en fait, vous faites tomber le morceau de sucre, d'où le bruit. Vous posez la tasse sur le verre et la cire fond, libérant la pièce. Pour le tour qui va suivre, nous allons retrouver la famille Ross. Et ils ont une manière tout à fait personnelle et extrêmement moderne, vous allez le voir, de passer à travers la matière. Thank you.
Merci, bravo la famille Ross. Merci, une famille entière consacre sa vie à sa passion pour la magie. Bravo encore, merci beaucoup. Merci, moi j'adore toujours comme ça, ce divertissement en famille, et c'est une passion. Ils sont tous, les enfants, les parents, passionnés par ça, et ils font tout ça ensemble. Allez, maintenant, le grand moment de cette soirée est arrivé. Nous allons enfin assister à un numéro que vous connaissez tous, la femme sciée, coupée en deux. Ce tour, vous l'avez sans doute vu au moins une fois. Mais comment est-il réalisé? Quel est le mystère qui se cache derrière cette illusion parmi la plus connue au monde? Regardez bien le tour qui va être exécuté par Caroline et Otto et essayez de trouver la solution. Chers enfants, bienvenue au pays du rêve et de la poésie. La femme sciée. La femme... Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas les anneaux, c'est le soir. C'est la femme sciée. 350 jours de répétition acharnée, mes mains sont vides. Premier prix de dextérité. J'appelle maintenant mes deux esclaves de me ramener la jeune fille en pleine force de l'âge. Elle est là, elle est jeune, elle est belle. Elle va être sciée, qu'on la pose sur cette table. Mes mains sont vides. Gaëtan et Stéphane posent la fille sur cette table. On dresse les cheveux. Je ne touche à rien. Une boîte. Qu'est-ce qu'il y a de plus poétique, de plus excitant dans la magie que les boîtes? Moi, j'adore les boîtes. Une boîte sur la vie, mais la magie, c'est les boîtes. C'est les boîtes. Une boîte, une deuxième boîte. Le délire, la joie, la magie. La boîte, elle est là sur la vie. Et dans quelques instants, on m'amène la scie. La scie, s'il vous plaît. Mes mains sont vides. Et avec ces mains qui ont fait tant de plaisir, la scie, elle vient de quel coup? Ah! Pas cette chose horrible! Ça fait peur aux enfants! Pas ça, pas ça! Qu'on m'emmène quelque chose de plus tendre! Ah! Ah! Merci! Ah! 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 Tu ne pousses pas de cris, s'il te plaît! Ah! Mes mains sont vides, évidemment. Je ne fais rien, je ne touche à rien, tandis que Stéphane et Gaëtan prennent ces deux lames de rasoir dangereux de l'acier et qui les posent dans la boîte. Il a un problème. Je peux rien toucher, c'est pas encore sec. La femme sciée, les boîtes. Attention. La jeune fille souffre déjà moins. Et dans quelques instants, on va séparer les deux parties. Et voici, à votre gauche, la tête. À votre droite, le corps qui m'a donné tant de plaisir. Et sa tête, c'était la femme sciée. Et mes mains sont toujours vides. Et merci, c'était la femme sciée. Voici donc le fameux tour de la femme sciée en deux. Et donc, on va vous révéler comment ces magiciens font. Alors, comment ils font, alors? Comment alors, ils font? Ouais. Je vais pas vous le dire ce soir. Oh. Non, je suis désolé. C'est intolérable. C'est intolérable. Intolérable. Non, parce qu'il y a une prochaine émission sur M6, oh, à la même heure, on est là ce soir. Très bientôt. Et c'est dans cette émission. Canon. Ah, c'est terrible, hein. Mais non, je vais pas vous la donner. Quand même de comment... C'est pour la prochaine émission. Histoire de vous donner envie de revenir, histoire de vous donner envie de revoir un petit peu, on va vous révéler ce tour-là. Et quand il y a d'autres tours encore, encore plus étonnants les uns que les autres. Ah. Regardez, lors de la prochaine émission, nous allons faire disparaître nos magiciens.
Otto et Gaëtan vont manger des poissons rouges devant les yeux sidérés des enfants, mais ils ne vont pas seulement les manger, ils vont également les mixer et ensuite ils vont boire ce cocktail de poissons rouges et c'est un tour que, figurez-vous, vous allez pouvoir faire chez vous. Stéphane Nation va prendre le contrôle de la pensée et des gestes de millions de téléspectateurs. Vous allez percer les secrets de la lévitation, un grand classique de la magie. Caroline Marx va faire apparaître une voiture en un clin d'œil et vous saurez comment. Gaëtan Blum va vivre une expérience surnaturelle devant un public ébahi. Et enfin, vous verrez Stéphane Leschen voler et marcher sur l'eau comme par enchantement. Si vous, dans le public, ou vous, chez vous, vous avez été tenté par ces tours, vous avez envie de les refaire vous-même, eh bien, vous pouvez devenir magicien amateur ou professionnel. Pour ça, il suffit de contacter la Fédération française des artistes prestidigitateurs. Alors, c'est une formation, hein, il faut prêter serment, c'est très sérieux, ensuite, il faut garder le secret. Mais une fois que vous acceptez d'être initié, eh bien, on vous fait entrer dans ce monde passionnant et vous pouvez devenir un magicien. Et du coup, tous ces tours n'auront plus aucun secret pour vous. Pour les contacter, m6.fr, tout simplement. Merci encore, Armel. Merci beaucoup, on peut l'applaudir, franchement. Merci, vous avez été formidable. Merci, Dave. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Patrick Bosso, ça a été un plaisir d'être avec vous. Merci à vous dans le public. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve très bientôt sur M6 pour une nouvelle émission entièrement consacrée aux révélations de Tour de la Magie. Merci et à très bientôt. Au revoir.